Je suis le patron, on m'appelle patron. Exact. C'est clair ? Oui, monsieur. Donc oui, c'est oui, patron. Oui, monsieur. Que ça rentre par une oreille, que ça reste pas coincé dans un labyrinthe qui arrive jusqu'au cerveau et que ça monte direct. Garde-vous. Garde à vous. Retour au service militaire, mardi 16 février sur M6. Moi, je suis Marius, je suis un ancien instructeur de la Marine nationale. J'ai fait 22 ans au ministère de la Défense. J'ai quitté en 2006 et puis aujourd'hui, je travaille dans la sûreté privée. Plus, je fais quelques conseils techniques et tactiques pour le cinéma ou la télévision. Je ne voulais pas participer physiquement au programme. Simplement, je leur avais promis de les aider dans le cadre de l'écriture, on va dire, technique et tactique sur le service militaire. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient un délai prévu pour leur émission de 3 semaines à 4 semaines. Ça correspondait aux classes de l'époque du service militaire. Et j'ai dit, OK, moi, je vais vous aider là-dessus. J'ai travaillé sur l'écriture du programme. Une fois l'écriture du programme terminée, j'ai eu encore deux autres rendez-vous. Et Studio 89 a réussi à me convaincre à participer physiquement à l'émission. Ne prononcez pas ce mot avec moi, parce que je suis un anti-télé-réalité. Et j'avais pas d'a priori. Ça a été la première question que j'ai posée à Studio 89. Et c'est ce qui m'a d'ailleurs convaincu pour les aider à l'écriture des activités physiques ou théoriques. Et voilà, et je voulais pas du tout entendre parler de ce mot-là. Ça n'a rien à voir. À aucun moment, il n'y avait rien à gagner. On était là pour dispenser les valeurs. Et voilà, donc ce mot, je le cautionne pas du tout. On est chefs et ils sont pas là pour rigoler. Ça te fait rire ? Je te fais rire ? J'ai une tête de clown ? Je te fais rigoler ? Ils sont malades, gros. Ils sont fait martyriser dans leur jeunesse, gros. C'est pas possible, gros. La seule chose qui diffère aujourd'hui de nos jours, c'est la connexion et le lien qu'ils peuvent avoir avec le monde virtuel. C'est-à-dire, il y a beaucoup plus de gens maintenant qui sont connectés comme tout le monde, aujourd'hui, comme moi, le premier. Donc, avec les portables, avec des PC, avec des tablettes ou autre chose. Mais sinon, on retrouvait la forte tête, on retrouvait le rigolo, on retrouvait le sportif, on retrouvait le moins sportif. Et voilà, c'était un amalgame de personnes, de tout horizon différent, de tout niveau socio confondu. Et il n'y a rien qu'à changer entre ces 10 ou 15 dernières années. Sauf la technique. Jamais de la vie. Jamais de la vie. De toute façon, je vais vous dire sincèrement, quand on vient, je n'ai pas été frappé aux portes. On vient me chercher. Du moment qu'on vient me chercher pour réaliser ou pour faire quelque chose, c'est mes conditions et les miennes. Qu'elles soient, c'est-à-dire je décide ce que je veux et j'avais totalement la main. À aucun moment, Studio 89, et je le confirme, ou M6, m'ont demandé de changer mon comportement ou d'être un peu plus souple. Jamais de la vie. Ce sont eux qui se sont adaptés à moi et non pas le contraire. Allez, les gars, allez. À vos commandements. Garde-vous.